Amis de la littérature et de Gigal Polar, bonjour, très heureux de vous présenter les nouveautés de septembre 2018 chez Gigal Polar. Et on va commencer avec le nouveau Pierre Poucheret, Mort en eau grise, écrit en collaboration de Yves Saint-Martin. Alors Pierre Poucheret, vous connaissez, il a raflé pas mal de prix, la prophétie de l'anglais, la filière afghane, etc., etc. On est dans la même lignée et c'est toujours aussi remarquable. Ça commence par la découverte d'un corps dans la Seine par une équipe de plongeurs, des services secrets. Ça rebondit en Russie, en Syrie et ailleurs. Je ne vous en dirai pas plus. C'est comme l'habitude avec Pierre Poucheret, c'est filmé caméra à l'épaule et ça fonctionne hyper bien. À signaler, les droits d'auteur de ce roman seront entièrement reversés à l'orphelinat mutualiste de la police nationale, Orphéopolis. Ensuite, je vous présente le nouveau Nicolas Aimé, Les enfants de Lazare. Alors, Nicolas Aimé nous avait régalé avec son bouquin Retour à Dunkard Creek. Il en sera de même pour vous avec celui-ci. C'est une écriture incroyable. Je ne veux rien vous en raconter tellement il faut faire cette découverte. Sachez que Nicolas Aimé a quand même une plume tout à fait à part et que c'est un auteur exceptionnel. On continue avec Cédric Cham et le fruit de nos entrailles. Alors là, on est dans de mes entrailles. Alors là, on est dans du lourd, du méchant et du à 200 à l'heure. Entre Vrinks, qui est un ancien bandit fiché au grand banditisme, qui est en train de s'échapper, entre Amia, une jeune femme prostituée, et entre la capitaine Alex Creek qui va essayer de faire quelque chose dans tout ce bazar. C'est un super bouquin qui déménage, que je vous conseille vivement avec une écriture bonne, c'est bien. On continue avec Stavros de Sofia Mavroidis, une nouvelle auteure chez Gigal, gréco-française. Avec ce bouquin, c'est une tragédie grecque des temps modernes et c'est toute l'âme d'une Grèce épuisée par des années d'austérité qui ressort avec force des pages de ce premier roman. C'est absolument remarquable, très bien écrit et on a vraiment l'impression d'être en Grèce et de ressentir tout ce qui a pu se passer depuis quelques années. Sophia Mavroidis, Stavros, Cédric Cham, Le fruit de mes entrailles, Nicolas Aimé, Les enfants de Lazare. Et Pierre Poucheret, Mort en eau grise. Merci à vous, bonne lecture, ciao.